Bonjour à tous, c'est Alex du Québec pour un test démo de la deuxième partie de Hello War. Et voilà, on va continuer où ce qu'on était à la fin de la première partie. Il y a eu une scène cinématique à la fin de la première partie. Bien foutu les potes. Et voilà, là je sais pas où faut aller. Et voilà, on va sélectionner notre véhicule. Et voilà. Pas compliqué. Oh putain, ça, je sais pas si on va avoir un autre d'autres armées, je veux dire. Et voilà, il y a des connards ici. Voilà, on va buter ces connards. Oh putain, on peut rentrer dedans avec notre vaisseau, avec notre jeep, je veux dire. Voilà, l'action commence, c'était temps. Ça a l'air un bon jeu de stratégie. Rien à dire pour le moment. Voilà. La vitesse est bien rendue. Ça rame pas trop. Voilà, des petits connards. Je sais pas, on peut pas rapprocher la vue plus que ça. Ça me fait chier. J'aimerais ça faire la vue de plus proche. Voilà. Attention. Voilà. Pas trop compliqué, c'est sûr, c'est le démo. La version finale du jeu, peut-être quelle chance. Mais le démo et le jeu, ça se ressemble. Il n'y a pas grande différence, je vais vous le dire, les potes. Et voilà. Dans tous les démos de jeu et les jeux que j'ai achetés après, il n'y avait pas grand changement. Et voilà. On est dessus de la glace. Voilà. Je sais pas si on va trouver d'autres unités. Oh putain, yeah, on a trouvé d'autres de nos unités. Ça bombarde tous les côtés. Et voilà, on va faire attention. Et voilà, on va attaquer ces connards. Voilà, je sais pas si putain, pour aller en haut. Voilà. J'aime bien la musique de Hello. Elle déchire. J'ai toujours adoré. La première fois, j'ai acheté ma première Xbox. Je l'avais eu avec Halo 1 et Amp, le jour de Snow. Et la première fois, j'ai joué à Halo 1. Quand on jouait Halo avec le cercle et la musique, j'en avais des frissons, les potes. Et oui. Et voilà. Oh putain, vous avez vu? Il a sauté dans les airs. Il a éclaté comme une merde. Et voilà. Encore une fois. Putain, c'est bien foutu, je trouve, pour un jeu stratégique. Voilà. On va aller par ici. Putain, on va faire attention. Un vaisseau ennemi. Comme tu dis dans la description, on peut prendre les ennemis aussi. Mais dans la démo, il nous donne les humains. Voilà. Oh putain, on a d'autres unités ici. Voilà. C'est super. On pourra bombarder ces connards. Plus qu'on est, plus que c'est le fun. Et voilà. En ligne également, ce jeu va déchirer. Voilà. Moi, je joue pas bien en ligne ces temps-ci. Depuis que j'ai ma Xbox, j'ai joué peu. C'est sûr que je vais jouer à un moment donné en ligne. Voilà. Putain. Voilà, on a des soldats ici. Voilà, on va aller récupérer nos soldats. Oh putain, je crois qu'il faut aller dans la... ici. Voilà, on va démolir ça. C'est ça qui génère le bouclier de la porte. Voilà, putain, on fait buter par ses corps. Voilà. Putain, ils sont vraiment durs à tuer ces corps-là. Bon, on va démolir ça, ça. Mais putain! Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je peux pas aller ici. Putain! Il disait de peser sur Y. Je pèse et ça marche pas. Ah, peut-être parce que j'avais pas tout choisi mes unités. Et voilà.
J'avais pas tout choisi 1000 unités, c'est pour ça que ça marchait pas. Et voilà. On a enlevé le bouclier de la porte. Oh putain, il y a un gros vaisseau ennemi. Et voilà, on va aller le buter. Air support in route, sir. Je me rappelle de ces gros vaisseaux. Ils ont des grosses grenades comme ça. Et voilà, ils font beaucoup de dégâts. Voilà. Oh putain! Vous avez vu? Putain! On peut faire venir des avions pour faire bombarder. Oh putain! Ça y est, je suis en train de faire éclater comme une merde. C'est la guerre, les potes. Et voilà. Bien foutu ce jeu. Je trouve que je l'aime à date, ce jeu. Et voilà. Beaucoup d'action. Voilà, des vaisseaux ennemis. Je sais pas si on peut buter ce fumier. Voilà. Et voilà. Les graphiques sont beaux. C'est sûr que c'est un jeu de stratégie vu de haut. Voilà. Il y a d'autres ennemis. Je sais pas son où. Oh, ils sont ici. Voilà. On va les buter ces connards. Pour moi, on est ce personnage avec la tête de turc. Et voilà. Faites attention. Ça bombarde tous les côtés. C'est juste des... Oh putain, vous avez vu? On l'a quasiment eu dans les dents. Et voilà. Je sais pas, il va y avoir d'autres ennemis à détruire sûrement. Et voilà, et oui, un autre connard à détruire. Voilà. On va avoir d'autres sortes de vaisseaux également. Le scorpion, le gros tank scorpion comme qu'il y a dans Halo. Voilà. Prends ça dans ta gueule de merde. Il est tout seul, on est 50 contre lui. Et voilà. Désolé les potes. Et voilà, mission complète. Pas trop dur. J'aurais pu le prendre ou plus difficile. Et oui. Je sais pas s'il y a une autre mission à faire. Et voilà. On a un nouveau point. Petit chargement. Je sais pas s'il y a une autre mission à faire. Comme je vous dis. On est rendu à 7 minutes 40. Ceci dit, ça va être la fin du test démo sur Halo War sur Xbox 360. Un jeu édité par Microsoft et développé par Ascent Studio. C'est un jeu de stratégie sorti le 27 février 2009. Et je vous remercie à tous. Je trouve ce jeu de stratégie assez bon. Et je vais sûrement me l'acheter. Et je vous laisse sur ces images. Et à la prochaine. Made you choose my observation deck as your lab, Professor. I like the view. It adds perspective to my work. Forge doesn't think it's safe for you to go down there yet. He's quite insistent. I can be quite insistent too, Captain. I can take care of myself. Any idea what it is we've got down there? It's all theories right now, and I'll know a lot more once I get down there. I'm approving the mission. But the slightest sign of danger and I'm pulling you out. Is that understood? Understood, Captain. Hierarch, the humans are closing and will soon be upon us. No matter. The information you have gathered here is most appetizing. However, we must protect what we have learned here. Set the charges and destroy this place. Destroy this holy relic, surely you chance. The journey requires sacrifice! Set the charges. Return to us. Our patience is not infinite. It will be done.
Serena, we need to re-establish Alpha Base before we can proceed with the mission. Captain, the base power system is offline and the lockdown protocol is in effect. If we rebuild, the lockdown will end and the doors will open. Projection for new base location ready. All units. Rolling! Rolling up! Thank you.